Alors, une fois rentré, j'attendais mon coéquipier. J'allais voir s'il avait passé de l'autre côté du mur. Du coup, j'ai vu que non, il n'a pas su. Donc, alors, je cherchais un moyen, une petite solution. Donc, je finis par trouver une sorte de truc de bubble, donc pour qu'il puisse descendre et ainsi me rejoindre. Réfléchis. Donc, là, on se retrouve pour un complexe, voilà, sûrement pour les enfants abandonnés. Alors, je ne vous dévoile pas plus que ça. Vous allez bien voir la suite dans la vidéo, mais tout ne se passe pas comme on voulait. Donc là, on cherche désespérément une entrée. Et alors, tout a l'air d'être fermé. Ça, c'était un peu chiant. On a vu que ça a tenté d'être forcé, mais voilà. Donc là, on a bien compris, il n'y a pas d'entrée. Bon, après, ça fait pas non plus l'air incroyable. Donc on décide quand même de moins quand même checker ce qu'il y a sur les côtés. Bah ouais, alors Mais tu plus on tires se comment là? rapproche de l'autre côté, en fait, et plus la route est là, donc on est plus facilement visible. Et j'ai évité de faire trop malin, étant donné que là c'était une de mes premières explorations en Espagne. Donc je sais pas trop comment les gens, quand ils voient des mecs sur un endroit abandonné, comment ils réagissent, mais bon, je préférais ne pas jouer avec le feu. Visiblement on sait pas rentrer. Un peu dommage parce que. Voilà. Après c'est pas ça, c'est pas mal, y a. Non, non. Bon, c'est juste dommage quoi. En tout cas, c'est pas une pépite, hein. Bon ben, comme vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'ai failli tomber. Wow. Toujours être prudent en urbex, ça. Hein. Parce que les planches tiennent bien. Ouais. Donc désolé pour la qualité de la vidéo, là il commençait tout doucement à faire nuit, donc voilà, on décide tout doucement d'y aller quand même. Donc un petit peu déçu, hein, parce que disons que pour l'instant j'ai pas de folle expérience au niveau urbex en Espagne. Ça n'a pas été incroyable, soit on s'est fait attraper, soit on a eu des spots qui étaient refermés, donc pas trop cool, mais bon, c'était quand même une chouette expérience aussi et une bonne occasion de tester la GoPro. Pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, à mon avis, vous avez dû remarquer que le format a un peu changé. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin de vidéo. Jusqu'à la fin de la vidéo, pardon. Et n'hésitez pas à regarder ce que je vais mettre. Je vais montrer un petit peu ma future nouvelle vidéo qui va sortir sur la visite d'un château abandonné. La visite d'un château abandonné où tout resta figé dans le temps. Alors ce château-là est vraiment incroyable. Malheureusement, beaucoup de pillages, mais ce château-là reste encore d'une beauté incroyable et d'un passé assez spécial. Et alors voilà, tout plein d'autres visites que j'ai fait il n'y a pas longtemps, dont tout ça bientôt sur YouTube, comme la visite d'une centrale abandonnée. À la visite d'un très beau château abandonné. Comme je vous dis, c'est un très beau château et un très grand terrain. Là, c'est un de mes tout premiers châteaux. Donc là, je vous. Là, un site industriel abandonné en Espagne, complètement incroyable. Et